tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Aujourd'hui, on va chasser le meilleur monstre. Non, bah attends, avant de partir, faut quand même que t'ailles voir. Faut que t'ailles parler à l'écologiste en fef. En fef, va parler à l'écologiste en fef. Oh, il m'embête l'écologiste. Il est à gauche. Il a pas un point d'exclamation sur la tête non, comme tout le monde. Non, il a un espèce de truc. Ah oui. Il a un espèce de truc. Tu ne pouvais pas m'y tomber, nous savons plus sur ce vieux monstre. Hein? Nous en savons plus sur ce mystérieux monstre. Ok. Nous en avons déterminé qu'il rôde actuellement sur le plateau du corail. Ah, ça tombe bien, j'y suis allé chercher des traces. Le commandant ne devrait pas tarder à te donner l'ordre d'aller voir ça de plus près. Bonne chance sur le terrain, fais attention à toi. Oui? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Bon, on a farmé l'arme, enfin de Toby Kadachi. Regardez, notre Toby Kadachi, il est plus fort. L'armure, je me souviens plus, on a mis le niveau au-dessus. Non, attends. Tu es un peu trop impatiente. Ah, désolé. Attendez, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, t'as pas besoin d'aller là, il faut que t'ailles parler au commandant, au chef, machin. Mais je suis désolé, mais je suis trop pressée d'aller sur le plateau du corail. Allez parler au commandant avant. Oui, donc t'as vu cette arme? Elle est plus longue. Oui. Alors du coup, attends, on a une faucille. Attends, on peut plus faire de dégâts. Allez, Grégor. Ah, tu tombes bien, au bon moment. Les membres des archives écologiques ont localisé la créature qui a laissé des traces étranges se trouve sur le plateau du corail. Oui, mais ça, je le sais déjà. Non, tu seras prête, accepte la je quête. Je suis nous prête. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Est-elle terrifiante ou pire encore? Mais non. Peu importe ce qu'il est, il nous faudra l'affronter un jour ou l'autre. C'est notre mission, après tout. Nous sommes les chasseurs. Les chasseurs. Les chasseurs. Imaginez que Grégor est en même temps en train de montrer ses muscles. Pourquoi il ferait ça? Et je tiens à préciser un petit truc, alors oui, bon, du coup, on a formé en off Toby Kadachi pour son arme, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est dur? Wouah! Et il n'était pas apparu tout de suite. Ouais, il voulait pas très venir. Et il avait pas très envie de venir, mais du coup, on avait commencé en farmant le machin, là. Le truc qui vole, là, avec ses ailes, les Ghana. Du coup, on a fait aussi l'arme de Legiana, mais ça sert à rien puisqu'on va affronter tu sais quoi. Mais c'est bon, non, va pas dans ta base des objets nuls là. Attends, je voudrais pas faire une bêtise. Ok, voilà, tu vois, je commence déjà. Donc, on est sûr de pas faire de bêtises? Ok, c'est bon, je vois, t'avais déjà préparé le set. Toi, tu prépares le set des fois? Ouais, oui. Oh, pardon. Ah, Molly. Ah, mais Molly sur son drakele, n'est-elle pas magnifique? Non. Ok. Bref, Toby Kodachi, il avait la flemme d'apparaître, mais il est beaucoup plus difficile que Odoga. Que le Legiana, j'ai l'impression. Wow! Bien plus dangereux que la Ratian, 3 points d'interrogation! C'est forcément la Ratian qu'on recherche! C'est forcément elle! Pourquoi ce serait forcément elle? Il y en a plein d'autres! Oui, mais bon. C'est elle, obligatoirement. Regardez, le Drakele va se faire manger. Wouah, ses réflexes. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Bah, heureusement. Et là, ça va être quoi? Ratienne, 3 points d'interrogation? Mais non, t'inquiète pas, Molly, elle sait ce que c'est. Bon. Ah, si, c'est écrit, là. Qu'est-ce que c'est? Une Ratienne Sakura? Incroyable. Wouah. Oui, donc ce jeu, il se passe bien... Quoi? Hein? Ce jeu, il se passe bien avant Monster Hunter 3, du coup, vu qu'ils disent on n'a jamais vu de sous-espèce dans le Nouveau Monde. Alors là, je me suis bien fait avoir. Mais c'est clair. Je suppose qu'il n'y a rien dans le coffre. Allez, mon ami! Bon, alors, les coups de queue... Comme ça, là, c'est voilà. la pire attaque. Ça a toujours été la pire attaque. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Hein, il ne faut pas attaquer la queue d'une Ratian Sakura en réalité, hein, même si c'est bien de pouvoir la casser, c'est extrêmement difficile de le faire. Non, j'ai pas utilisé le bon bouton. Parce que là, contrairement à la Ratian normale, la Ratian Sakura est une. Elle est beaucoup plus résistante sa queue, ce qui fait que du coup, il faut avoir une arme blanche pour pas rebondir dessus de manière générale. Non! Wow, belle esquive! Du coup, c'est assez pénible! Parce que ça, son coup de queue est vraiment. Ouais, bonjour les Ghana, regardez! Et les Ghana, aide-nous s'il te plaît, parce que là, elle est vraiment pas sympa. C'est assez incroyable hein, comment les monstres ils se battent entre eux, parce que bah, pendant qu'on farm. Justement, en fait, on avait une quête! Oh, purée! Pour le Toby Kodachi, où il y avait une Ratian et un Toby Kodachi, ils se collaient tout le temps, ils étaient tout le temps ensemble. Jamais ils voulaient se lâcher, ils passaient leur temps à se battre.
D'ailleurs, là, peut-être que les Guiana et Ratian Sakura vont passer leur temps à se battre aussi. Hein. Je pensais pas que j'avais plus de stamina, j'étais en train de regarder le combat. Regarde, la boule de feu dans la tête du Guiana, le pauvre. Il va pas aimer. Voilà, et hop, bam, la glace. D'ailleurs, si vous voulez affronter une Ratian Sakura, elle craint exactement la même chose que la Ratian normale. Ah, ce sont des Chakalaka, je me disais. Ouais, c'est des Chakalaka nuls. Ah, elle est par terre. C'est nul. Ils sont nuls, ces Chakalaka. Je les hais. Parce que toi t'es en train d'attaquer tranquillement ton monstre et eux j'ai des barils de poudre, ça te fait trop mal. Genre par exemple là ils viennent de l'endormir aussi. C'est l'un des avantages, sauf que les Guiana il aime pas trop laisser la. Et c'est bon, le toit, tu dors pas surmonter le toit, ok. D'ailleurs. Tu vois, je m'attendais à ce que Ratalos vienne aider. Bah non, mais c'est les Guiana. C'est les Guiana qui vient aider. Tant il, mieux. Il t'aide toi, hein. D'ailleurs les Guiana m'attaquent pas, hein, il en a vraiment après la Ratian. Bon, je vais aider les Guiana quand même parce que sinon. Fais-le pour lui. Non ! Ouf ! Bref, à partir du moment où vous avez réussi à éviter entre guillemets le coup de queue de la mort de la Ratian, c'est à peu près tout ce qu'il faut éviter. Ah si si, elle a une. En fait, non, je sais pas si elle l'a en haut rang. C'est elle fait une espèce de danse de la morsure. Elle est terrible aussi cette attaque. Mais ça, elle le fait que quand elle est énervée. On verra bien si elle est énervée. Ah bah là elle va passer énervée. Et elle va s'en aller, regarde. Ah non. Ah si, elle s'en va là. Je les connais aussi bien que... Ah oui, mais du coup les Guiana ils m'empêchent de voir par où elle est partie. Ouais, elle est partie en bas en fait. Bah, de toute façon tu le vois sur le radar en fait. Elle s'est envolée vers là-bas en fait. Et les Guiana, tu viens avec nous j'espère. Je t'assure que c'est pas le bon plan. Moi, je vois pas le problème. Et donc, comme son coup de queue est terrible, c'est super important de couper sa queue. Mais comme sa queue est incassable... Mais généralement, oui, si. Quand tu casses la queue d'une Ratian Sakura, c'est qu'elle est bientôt morte, en fait. Donc, du coup, c'est pas forcément non plus très très intéressant. Maintenant, casser sa queue, c'est important parce que c'est là que... Il y a le rubis ou des trucs comme ça. Oui, du coup, oui, ça va, ils sont quand même... Enfin, ceci dit, ils sont quand même sympas, parce que... Bon, elle a l'air d'être un peu occupée à cracher du feu sur l'Ika. T'inquiète, là, c'est bon. Ah, bah. Que... bien joué. Je suis trop bas. J'allais dire, ceci dit, l'avantage de la Ratian, quand même, et généralement des subspécies de manière générale, c'est que les... Moi j'essaie de casser sa queue quand même. C'est que les... Non, mais de toute façon elle craint le dos ou la tête, je sais plus. C'est que c'est la tête, elle. C'est que le... Oh non. Oh non, il y a Tsutsuyaku, il a fait... il a fait le truc, obligé, c'était lui. Je sais pas où il est, mais... Nulle part. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais... Il est venu et il est reparti. Il a dit, moi aussi je participe au combat, mais pas trop quand même. Bah, il est un pacifiste aussi. Ou alors il avait posé ça comme piège au cas où il y avait de la nourriture et il revient régulièrement pour voir si son piège a fonctionné. Et... Aïe. C'est bon à savoir, en début de courant, ça sert à rien, la Ratian Sakura te donne un coup de queue, tu meurs. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait de réaffronter pour la première fois une Ratian Sakura comme au bon vieux temps, quand tu as affronté la Ratian Sakura au haut rang pour la première fois, trop bien. Moi, je suis elle est tombée par terre, pourquoi, je elle sais pas. Elle a trébuché sur un caillou. On passe par terre. Elle est un peu maladroite. C'est pour ça que je l'aime bien. Oh purée, ça va, t'as eu de la chance qu'elle crie juste. Après, ça va, franchement, quand ça va, elles sont quand même assez prévisibles, les Ratian de haut rang, parce qu'on les voit. Bon, quand... Après, personnellement, c'est le monstre que j'ai le plus affronté de ma vie, donc ce serait dommage que je fasse des bêtises. Oh, bien joué! Si je la connais pas, c'est un peu embêtant. Bah, écoute, le coup du Ratalos qui a sa nouvelle attaque là, de la mort, là, qui te saute dessus, machin. Elle est un peu, elle était pas très prévisible au début.
D'ailleurs, je comprends toujours pas cette attaque. Pourquoi des fois je suis empoisonné et des fois non. Ça me rappelle un autre truc qu'on a fait dans Monster Hunter World. Tu me rappelles, c'est dommage, je ne filmais pas à ce moment. C'est, à un moment, je sautais dans les airs, j'ai donné un coup d'épée dans la Ratian. La normale. Elle m'a donné un coup de queue. Je suis monté dessus. Je suis morte à cause du poison. Je voulais attaquer avec mon bouclier, mon arme n'est pas sortie. J'arrête pas d'attaquer les pieds alors que je veux attaquer la tête. Ah, tu lui as cassé la tête. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai cassé la tête. Enfin, quand je suis monté. Ah. Mais bizarrement, j'ai pas cassé les ailes. Mince jaune. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de casser les ailes des monstres dans ce jeu. Ou alors les hitbox sont un peu différentes. Ce qui paraît très crédible, parce que casser les ailes d'un monstre, normalement, je pense que c'est pas quelque Lika, chose. Pourquoi t'es là? Mais parce que je vois ma potion. Bah, elle est partie en fait. Oui, elle est partie. Ah oui, elle est juste là. Je sais pas ce qu'elle fait, elle contemple les coraux. Ah. Elle est pas très contente de me voir. C'est dommage parce que moi, oui. Ah, la fin, parfait. Pardon de faire des coups comme ça, mais j'ai pas l'habitude des armes low range, alors du coup, j'ai tendance à donner des coups alors que normalement. Voilà. Le close range, c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu vidéo. C'est là que t'es dans le cœur du combat et t'es content parce que... Désolé, j'aime les armes qui ont un peu plus de low range. Ah, voilà. Ouais, je vais l'avoir. Ah, t'aimes les armes encore plus de non, pardon. Je voulais dire high range, bien sûr. Ok. Elle est tombée, c'est un piège. Elle est rentrée dans le... Dans le champignon. Dans le champignon. C'est super rigolo, j'aime bien. C'est un concept intéressant, je dirais. C'est comme le lierre, tu vois, dans la zone du step ancestral. Il va leur être pas de tomber, en plus. Bah, c'est parce qu'à la fin, du coup, le tripping tu est plus... très bien ma tête. Regarde là, elle va être paralysée. Voilà. Où est-ce que je suis? Wouah. D'ailleurs, cette fameuse petite danse coup de queue exclusif à la Ratian Rose, je crois que la dorée la fait pas. Si, elle adore. La dorée, elle fait tout ce que la Ratian Rose fait de toute manière. La dorée, elle est nulle. Mais de toute façon, elle n'existe pas dans ce jeu, c'est bon. Pour l'instant. Oh là là, je suis trop prêt. Non, mais de toute façon, oui, les dorés argentés, c'est des gros tricheurs. Hein. Je les aime pas. Déjà, ils ont pas les mêmes faiblesses, je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est bon, nous, on craint pas le dragon. Mais c'est parce qu'ils sont faits de métal et d'argent, c'est bon. Ils n'ont fait qu'un avec leur butin. La petite potion de la frime. Mais non. Ouais, non, elle la fait pas, la danse de la danse du feu. Du coup, bon, bah, c'est visiblement un truc que... n'existe que en rangée en fait. Je me souviens plus. What? J'ai je sais pas combien de doigts sur la manette là. Donc Grimalkin sauvage nous propose de nous aider. Bien, c'est ceux qui sont servent à rien, c'est juste le piège. Ouais non mais je sais pas comment elle fait pour rater comme ça là. Ah je suis morte là. C'est nul, elle te tue en un coup quoi. Hey. Boule de feu. Vous connaissez les rats, vous êtes tout le temps comme ça. Eh moi c'est bon. Je déteste quand ils font ça. Je déteste quand ils font ça. Je me dis que ça devrait relancer un compteur quand tu réapparais en fait comme ça. Ils s'en vont pas directement dès que tu reviens. Mais elle doit aller pas loin, elle est partie voir le Paolumu. Si Paolumu y est. Ouah, alors là, je pense que en vérité, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. C'est toujours X en fait. Qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise? Par contre, on se bat pas là, Ratian. C'est trop près du bord. Viens ici. Ah, il y a des paralys crapauds, Somni. Pardon. Ah oui, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On danse. Bon, tiens, on va faire ça maintenant. Tu revoleras pas, reine de la terre. Oh, le truc qui est difficile avec les Ratian, c'est
Surtout dans ce jeu, en fin de compte, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des bombes flash, mais c'est assez pénible d'utilisation, dans le sens qu'il faut les équiper avec la fronde, tout ça. Bon, théoriquement, c'est pas si pénible, mais... Le bon plan pour la Ratian, c'est de jeter une bombe flash au moment où elle va faire son petit queue, en fait. Comme ça, elle tombe directement par terre, en même temps qu'elle le fait. Moi, j'aime bien affronter les Ratian avec une longue épée, parce qu'en les frappant dans les pieds, elles passent le temps à tomber. Tu sais, cette phrase est nulle. Mais écoute, tu as le droit d'aimer affronter... Bon, il se passe quoi, là? J'attends qu'elle arrête de courir. Ah, ça y est, elle est mal. D'ailleurs, elle a pas perdu un seul truc à jeter sur sa tête. Mais oui, du coup, je me dis, ah, j'ai envie de lui jeter des trucs, mais non. Wow. Mais comment il galère à voler après, c'est incroyable. Oui, c'est le Titi Yaku, il est là. Oi. Ah, désolé, on a utilisé ton piège tout à l'heure. Du coup, t'as pas pu capturer je sais pas quoi. Non, mais il... Regarde, je fais un câlin. Ah, regarde, en plus, il a faim, on a vraiment tout gâché. Je suis désolé. Et malheureusement, on n'a pas de viande. Legiana va bientôt quitter. T'es pas en train de m'attaquer quand même. Non, il a vu quelque chose qui l'a énervé, je crois. Allez, on monte. Oui, il a l'air d'avoir un problème là. Il a l'air vraiment contrarié. Il est pas content. Elle dort pas. C'est parce qu'elle dort pas en fait. Elle a dû partir. Quoi? Eh bien, écoutez, on va faire pareil, hein. Oh, je m'attendais pas à ça. Et elle est bloquée dans la liane. Qu'est-ce qui se passe? Elle monte et elle descend. Mais c'est le coup, hein. Si je remonte, elle va redescendre, alors j'attends en bas. Voilà. Par contre, ici, c'est nul, hein. Pourquoi on se bat ici, Ratian? T'aurais pu aller ailleurs? Je veux dire, c'est pas possible. Allez, on descend encore. Est-ce que tu descends encore? Ouais, il continue de descendre. Même si bon... Oh, c'est vraiment tout petit. Non, non, c'est nul partout. Hein. Cette zone, c'est la pire. Allez! On se bat ici! Parfait! Non! Ouf! Alors, il faut faire assez attention aussi à la Ratian, parce que généralement, elle aime bien enchaîner deux fois un coup de queue aussi. Du coup... bah voilà, Pourquoi t'es pas parti te coucher? En plus, je t'ai laissé plein de temps parce que je me suis trompé de chemin! Oh, un bna à bras confus! Ah bah, j'ai bu cette potion, c'était très utile! D'ailleurs, je bois mes potions au lieu de prendre les premiers soins donnés par le jeu. Oh bah, pauvre Lika! Elle attaque Lika! Pourquoi je... Quoi? Pourquoi? Ah non, t'es sonné! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Faut que j'arrête de voir ça. Oh, elle est énervée. Non mais oh, tu bois une potion comme ça? Alors que tu pourrais boire un premier soin? C'est bon maintenant? C'est pas bon! Ah, oh, le coup de pied! Elle s'en va? Non, elle fait juste sa promenade. Oh, parfait! Ouf! Tu l'as pas rendu confuse! Ah, merci, ça y est! Lika. Elle a perdu, enfin! Oh non! Aïe! Oh oui! Enfin, elle a perdu sa capsule explosive! Trop bien! Mince, j'ai oublié de ramasser! Trop bien, t'as ramassé une pierre! Oh mais non, moi je suis trop nul en capsule explosive, je suis désolée! Elle a perdu un truc. Non, c'est ta pierre en fait ça.
Oh, ok. Oh, 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 j'ai failli mourir. Elle va tomber. Mais non, ce sont des monstres qui ont le pouvoir du mur invisible, voyez. Aïe. Eh ben, il devrait avoir le pouvoir de... Oh, et le shoot dedans confuse, quoi. Faut pas courir en ligne droite, faut jamais courir en ligne droite. J'ai bu une potion ancestrale au lieu de boire une potion secrète. C'est pas grave, à la fin. Oh, l'attaque. Oh, tu m'as... Je suis déçu. Mais n'importe quoi. Tu peux pas mourir parce que... Enfin, mourir. Je peux pas être touché parce que madame, elle a fait un petit coup de croc et c'était très nul ici. Je vous recommande pas de vous battre là. Je sais plus exactement si ça marche, les potions, les bombes de bouse, même s'il est tout seul. Je crois que oui. Et moi, du coup, mon conseil, c'est si vous voulez pas que ce genre de choses arrive, jetez une bombe bouse dans le monstre pour qu'il aille ailleurs. Barbecue. Bon, bonjour, madame. C'est vrai que j'ai tendance à vraiment attaquer les pieds, moi. Tu veux faire triple monstre? Oui. Ouah, c'est pas bon. Ouf. Pour un monstre fatigué... Oui, non, mais... vraiment, on l'a vu boiter, mais... Allez, par terre, vite, c'est le moment. Elle est pas par terre, non, elle est dans les airs. Mais non. Ah, c'est le meilleur dernier coup que j'ai jamais vu de ma vie sur Naratian Sakura. Déçu. Bien joué. On voit bien là qu'elle a un peu l'âge noir, tu vois. Oui. Avant, je trouvais que ça faisait un peu marron, tu vois. Oui. Tu vois. Oui, je vois, je vois. Moi, je suis le genre de personne et en japonais, je finis toutes mes phrases par « ne ». J'espère qu'ils vont pas t'attaquer les gros nuls là-bas, là. Pour l'instant, ils sont sages. Très utile, hein. Tu dépaisses une Naratian Sakura pour gagner une serre à Talos. C'est très utile. Deux serres à Talos. Bon bah voilà, c'était ma chère petite Ratian. Trois points d'interrogation. Mais qui était-elle? Bon sang. Moi, on m'a dit Ratian, trois points d'interrogation, je pensais à la Ratian noire. C'est elle la vraie trois points d'interrogation. Elle est trop cool. Mais son armure, elle donne pas des pouvoirs très intéressants, malheureusement. Mais c'est pas grave, je joue quand même avec son armure parce qu'elle est jolie. Tu sais pas dans ce jeu, peut-être que... Oui, je ne sais pas dans ce jeu. Bah, tiens, d'ailleurs, en parlant d'armure, et dans ce jeu, en fait, il existe deux types d'armure. Et il y a un type d'armure... Les armures alpha et bêta. Et les armures alpha, c'est des armures classiques de Monster Hunter où elles ont des pouvoirs dessus. Alors que les armures bêta, c'est toi qui choisis ce que tu veux mettre dessus. Bon, elles ont un pouvoir de base, certes, mais après, tu peux choisir ce que tu veux mettre dessus en plus. Du coup, c'est plutôt sympa. Oh, on l'a ramené. Ah bon. Ah bon. N'aurais jamais cru en trouver une sur le plateau de corail. Eh oui. Il faut une petite série de miracles pour voir apparaître une sous-espèce. Bon, c'est ce que disent les érudits. Quoi qu'il en soit, on voit beaucoup de miracles. C'est une très belle bête. C'est incroyable. Regardez. Elle a forcément grandi dans un milieu riche en nutriments. Peut-être où. Qu'est-ce que c'est que ça? Amiral. Ah, c'est l'amiral. Fin de retour. J'ai assisté à vos exploits avec intérêt, plus grand art. Vraiment. Waouh, il est super grand. Et l'idée de nous donner un coup de main ne t'a pas traversé l'esprit? Pourquoi? Coup de poing qui sert à rien. T'es trop nul, Grégor. Tenez, j'ai rapporté quelques souvenirs. Oh. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Intéressant. Où as-tu trouvé ça? Tu vois l'endroit où vous avez repoussé l'autre affreux? Eh bien, il y a un coin un peu plus loin et il regorge de ces cristaux. C'est incroyable! C'est comme si une sorte d'énergie vibrait à l'intérieur. Je ne m'étais donc pas trompé. Mais je parie que ça a un rapport avec ce qu'on essaie de découvrir. En tout cas, je compte bien en savoir plus. Alors, qui veut venir avec moi? Il y a des courageux parmi ta bande de Jaggy. C'est de là. C'est de là. Et Elika, alors? Bah, c'est de là dont elle parle, dont il parle. Très bien, vous deux. On se retrouve là-bas. Je serai au tunnel. Et ne me faites pas attendre.
Je déteste attendre. Mais quand on est poli, on dit s'il te plaît déjà pour commencer. Enfin, s'il vous plaît, enfin voilà. Amusez-vous bien. Et tâchez de pas y rester. C'est bon, on est des grands jaguis, contrairement à vous. Ils ne portent même pas l'honneur de s'appeler des jaguis, ce sont juste des vulgaires vélociprés, oui. Bref, ben du coup, on va s'arrêter. Un début de joie a été repéré, mais oui, bien entendu. On va s'arrêter là, maintenant que le Devil Joe a été repéré, on va se reposer du coup parce que... On attend que le Devil Joe passe et après on ira se balader, enfin voilà. Voilà. Au revoir tout le monde. Bye bye.